Cet homme a tellement voyagé. Cet homme, certainement, tu l'as déjà vu. Mais pour moi, c'est un honneur. C'est un privilège que Dieu m'a accordé. Alléluia. Amen. Parce que je sais une chose. Même dans mes cauchemars, dans mon imagination, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me tenir là et présenter ou introduire un si grand homme. Je dis bien, un si grand homme. Amen. C'est pour cela tous ensemble. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Sans inviter le fond de l'ambassadeur. Le prophète. C'est moi que tu n'as pas envie de voir. C'est moi que tu ne voulais pas voir. Mais alors, acclame le Seigneur encore. Alléluia. La Bible dit honore ton père et ta mère. Amen. Et il augmentera tes jours. Amen. Donc ça veut dire que l'amour pour son père, l'amour pour sa mère peuvent transcender même les lois du Seigneur. Amen. Parce que quand on parle d'augmenter, ça veut dire qu'il y avait une limite. Amen. Mais à cause du respect, à cause de la considération, l'amour que tu apportes à ta mère, même les limites de Dieu vont s'étendre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu connaît les jours de chaque personne sur terre. Alléluia. Mais à cause de ce que tu as aimé ton père, tu as aimé ta mère, la Bible dit que tu prolonges. Là, c'est à ton niveau maintenant. Alléluia. Amen. Alors que tout ce qui peut se prolonger peut se raccourcir aussi. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alors si tu as compris, je crois que le Seigneur est un Dieu vivant. Amen. Ce matin, ça fait deux semaines, je n'ai pas intervenu. Toute la semaine passée, c'est votre pasteur principal, Adjé Papa Ouattara, qui a prêché. Et je vous assure que le message du dimanche est un message fort. Yes. Alléluia. Amen. J'ai suivi cela et les échos qui m'étaient et qui me sont parvenus sont vraiment édifiants. Et je crois que le Seigneur a douté. Les serviteurs qui sont autour de moi, je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez, il y a des amis qui vous observent à distance. Certainement, qui apprécient même ce que vous faites. Mais qui n'ont pas le courage de vous le dire en face. Il y a des amis qui sont avec vous et qui n'aiment pas vous voir évoluer. Mais quand ils parlent avec vous, vous avez l'impression qu'ils vous aiment. Mais leurs paroles sont comme des balles de tennis. Quand ils envoient de l'autre côté, ça revient vers vous. Quand vous écoutez ce qu'ils vous disent, vous êtes déçus. Mais il y a des amis qui sont très loin de vous. Mais tu regardes ce que vous faites. Ils aiment ce que vous faites. Ils commentent ce que vous faites. Et ils apprécient ce que vous faites. Amen. Et cet homme est un ami particulier. Amen. Il a pour base la Guinée équatoriale. Amen. C'est un homme parmi les hommes. C'est un prédicateur. À ce niveau, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tu vas l'apprécier toi-même. Amen. Mais c'est quelqu'un qui s'est aimé. J'ai découvert son amour et son amour est pur. Amen. Il a un amour pur, sans hypocrisie. Amen. Il parle avec un cœur ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'il est arrivé, quand il m'a dit qu'il était arrivé, il m'a envoyé le message. J'ai dit, je passe chez toi à la maison te voir. Et je suis passé. Et depuis, chaque soir, je fais au moins un tour. Je lui dis bonsoir. J'aimerais faire un séminaire avec lui. Mais vu le temps et l'espace qu'il
qu'il y a avant son retour. Normalement, c'est moi qui devais prêcher aujourd'hui. Mais j'ai dit bon, passe au moins dis bonjour à mon peuple. Je veux que tu leur dis juste bonjour pour qu'ils puissent te connaître. Amen. Qu'ils sachent que j'ai un ami en Guinée équatoriale. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il me fait l'honneur. Je vais bénir. C'est une grâce pour la cité de Canaan. Amen. Alléluia. C'est une grâce pour la cité de Canaan. Ma femme ne le connaît pas. Mais ma femme connaît ses commentaires. Chaque fois que je pose une pause avec ma femme, le monsieur là doit venir sauter sur l'affaire. Pour parler de ça. Et je vous assure, il y a des hommes rares. Et il y a encore des hommes qui savent aimer. Quand il parle de votre père, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je l'aime aussi. Alors, quand on arrive chez nous, les Akans, on t'intronise, on fait de toi un fils de la maison. À partir d'aujourd'hui, la cité de Canaan, vous avez aussi un père. Amen. Vous avez un père, il fait partie de la cité de Canaan. Amen. C'est mon frère. Partout où vous le voyez. Alléluia. Alors, partout où le croisez, saluez-le. Donnez-lui l'affection que vous me donnez. Ce que vous pouvez faire pour lui, faites-le. Avec joie, détermination. Que Dieu vous bénisse. Cet homme est un docteur. Il s'appelle Luc Ekwangé, pardon, de la Guinée équatoriale, mais c'est aussi un Gabonais. Mais c'est là-bas qu'il prend sa part. Grand Seigneur, pour son serviteur. Alléluia. Bon, pratiquement, je ne serai pas long. C'est moi qui me sens très honoré. Amen. Très honoré. Je suis parti du pays en 2020. Quand j'arrive à Malabo, en escale, je partais à Kigali pour une grande conférence où j'étais orateur principal. Et je partais donc chercher mon père spirituel, le révérend José Maria de Paras, qui se trouve à Malabo. À mon arrivée, c'est là que le coronavirus est arrivé et j'ai été bloqué jusqu'alors. Et depuis mon retour, très sincèrement, ce que votre père est en train de me faire, j'ai même du mal à parler. Tellement l'émotion est forte. Sincèrement, je suis touché. Soyez bénis. Maman, amen. Amen. Excusez-moi, on va rapidement prier pour quelqu'un et l'homme de Dieu va continuer sa prédication. Merci beaucoup. Hein? Mon frère, merci. Déplacez mon service. Sang de Jésus. Sang de la vie. Sang de la vie. Il est le même hier, aujourd'hui.
Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, alléluia. Au nom de cette grande alliance, les paroles de l'alliance qui ont été prononcées ce matin devant l'alliance, ma fille, tu as délivré. Tu as délivré. Tu as délivré de l'esprit de mort. Tu as délivré. Tu as délivré. Tu ne mourras pas. Tu vis. Tu vivras. De Dieu, qui sont des grands amis, Dieu a réellement décidé de visiter cette église ce matin. Je ne suis pas seul, c'est aussi ma manière d'introduire ces hommes de Dieu en qui je crois énormément dans cette grande alliance, parce que la dernière leçon que Jésus a donnée à ses disciples, c'était le partage. La Bible dit qu'il prit du pain. C'était son pain quotidien, il n'y en avait pas deux. C'était un seul pain. Amen. Il le rompit et il le partagea. Amen. Comme pour dire, les gars, cette affaire, c'est une affaire de partage. Alléluia. Papa, ces hommes ne vont pas te décevoir. Alléluia. Pour la première fois, avec toute la confiance, tout honneur, papa, l'honneur que tu me fais, si tu me vois déplacer tout le cieux. C'est-à-dire, j'ai énormément de la considération et du respect. Amen. Dans ce pays, ce sont des monuments. Je ne marche qu'avec des gens qui me ressemblent. Amen. C'est des femmes. Et c'est en toi, auprès de toi, que je puise cet amour. Amen. La manière que tu m'as accepté, sans préalable. Sans condition aucune. Oh Roméo, vie éternellement. Je suis venu vous saluer ce matin. Écoutez-moi, est-ce que je peux être libre, maman? Oui. Est-ce que je peux être libre? Oui. Est-ce que je peux être libre? Oui. Est-ce que je suis à domicile? Oui. C'est mon style, je vous en prie. Yes. Ça laisse la même chose. Ça ne mange pas. C'est bon. Non, non, c'est bon. Laissez ça là. Posez ça là. Posez ça un peu à côté. Merci, merci. La plus grande église chrétienne au monde, quel que soit ce que nous pouvons dire, est née à partir d'une salutation. C'est l'église catholique. Qui n'a que deux versets principaux. Deux textes principaux. Le premier verset, c'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et le deuxième texte de l'église catholique, c'est la barque de Pierre. Puis Jésus dit à Pierre, c'est le moi ta barque. À partir de ces deux versets, un empire est né dans le monde. L'église catholique. C'est pour vous, qu'à partir d'une salutation, quelqu'un qui fait attention peut rentrer dans l'histoire de sa désordre. Écoutez, le seul endroit que je ne peux pas te recommander, c'est en enfer, parce que je n'ai personne là-bas. Amen.
Maïko. Ce matin, je suis venu recommander quelqu'un quelque part. Je dis, je vois des nouveaux lieux, des nouveaux endroits d'accueil. Je vois des nouvelles personnes de recevoir. Je peux bien ce message de ce matin. C'est tellement profond. On va aller vite. Psaume 114, versets 1 à 3. On peut même pousser jusqu'à 4. Psaume 114. Psaume 114. Nous allons rester là. Et je vais prier pour vous. Avec la bénédiction de votre pays. Psaume 114. Psaume 114. Merci beaucoup, papa. À partir du premier verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand à la maison de Jacob, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Continue. Qu'as-tu, mer, pour t'enfouir, Jourdain, pour retourner en arrière? Alléluia. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, colis, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. Amen. L'évangéliste, ta voix est tellement onctionnée que par la lecture, fils, reprends-nous le verset 2 et le verset 3 seulement. Tu t'arrêtes là, je vais parler. Je lis la parole de Dieu. 2 et 3. Psaume 114, verset 2 et 3. Judas devint son sanctuaire. Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. Amen. Dis-moi un amen qui m'inspire. Amen. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis papa et Poigué parle. Amen. Papa et parle. Dis papa et Poigué parle. Papa et Poigué parle. Dis amis et frères de notre père, parle-nous. Amis et frères de notre père, parle-nous. Être court, hein, parce que les bonnes choses, c'est pas parfois long. Long. Amen. C'est court. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'université est un mot composé de deux. D'un côté, il y a univers, et de l'autre, il y a cité. Quand vous les mettez ensemble, ça donne quoi? Ça donne tout simplement le fait que c'est à l'université qu'on apprend les gens à faire dans la réduction. C'est-à-dire l'univers devient une petite cité. Et ce matin, nous ne sommes pas au lycée, nous ne sommes pas au collège. Yes. Nous sommes à l'université de Dieu. Yeah. Nous sommes dans la haute science spirituelle. Yeah. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Yeah. Je vais punir quelqu'un ce matin. Yeah. Dis-moi encore, papa parle, je vais commencer. La Bible déclare que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, lorsque Jacob s'est éloigné d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Je suis venu t'annoncer ce matin que 2024, c'est l'année des 24 vieillards. Amen. Je suis venu te dire ce matin qu'en 2024, on ne te reconnaîtra pas. Amen. On ne te reconnaîtra pas, ma fille. On ne te reconnaîtra pas, mon fils. Ça, c'est un bon signe. C'est pour cela que l'esprit de mort a commencé à se manifester. Amen. Cet esprit a été dérangé. Amen. Au bout de la révélation de la parole, mon fils, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, mon évangéliste. Amen. Je sens quelque chose sur toi, tu es béni. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Retenez ceci pour faire simple.
ceci. Israël, Juda devint son sanctuaire. Juda devint le sanctuaire de qui? Le sanctuaire de Dieu. Maintenant, écoute la révélation. Demande-moi, c'est quoi le sanctuaire? C'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est l'endroit dans le temple où Dieu réside. Amen. C'est-à-dire qu'on vous est habitué que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Paul qui l'a enseigné. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu n'habite pas partout dans le temple. Amen. Oui. Yes. C'est dans le sanctuaire que tu habites. Yeah. Dans Juda, le fils de Jacob avait compris que face à la mer rouge, cette adversité, cet ennemi ne peut être vaincu qu'en devenant le sanctuaire de Dieu. Yeah. Yeah. Pour affronter ce genre de situation, il faut que je devienne l'habitation de Dieu. Yeah. Les blagues doivent cesser. Amen. Les amusements avec Dieu doivent terminer. Amen. Il faut prendre Dieu au sérieux. Amen. Mes enfants, je suis dans mon église ici. Amen. Je vous parle avec le cœur. Prenez Dieu. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a ouvert la mer rouge, mes enfants. Ce n'est pas ça. Ça, c'était du cinéma, c'était du film. En fait, lorsque Moïse étend le bâton, ce n'est plus le bâton. Amen. C'est Juda qui est déjà le sanctuaire de Dieu. Quelqu'un avait compris, yes, un temps soit peu, que cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire des enfants. Amen. Le plus grand ennemi d'Israël n'a jamais été l'Égypte. Parce que la solution de l'Égypte avait déjà été trouvée 430 ans avant même que les enfants d'Israël n'y arrivent, par la prophétie de Dieu. Mais le véritable problème et le véritable ennemi des enfants d'Israël, c'était la mer rouge et le Jourdain. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu vas traverser. Tu vas traverser. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain le vit et résulte. À partir d'aujourd'hui, that is correct. Je vois des situations fouilles. Merci beaucoup, papa. Praise the Lord. 2024, à ton approche. Maintenant, dis papa, creuse encore un peu. Il y a quoi de si particulier au point que Dieu décide de choisir un endroit dans un grand temple pour y résider? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le sanctuaire? Ce qui est important dans le sanctuaire, c'est que comme indique le terme sanctuaire, c'est là que le sang est présenté. C'est là que le sacrifice est posé, est présenté. Et quand Dieu voit le sang, quand Dieu voit le sacrifice, en fait, en un mot, le verset veut tout simplement dire que Juda a révélé Jésus devant la mer. Alléluia. Il y a un temps où ton Jésus doit se révéler. Alléluia. Des petits menteurs vont comprendre que face à Jésus que tu as, il n'y a pas de blague. Amen. Il n'y a pas de jeu. Amen. Les enfants, marchons en nouvelle année 2024 qui est déjà en train de nous saluer avec une nouvelle identité. Amen. Change d'identité. Amen. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin ici en te disant, dis simplement au revoir à ton passé. Amen. C'est fini.
le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu es l'habitation de Dieu. Amen. Les gens voyaient Moïse, mais derrière Moïse se cachait la révélation de Jida. Amen. Le temps est arrivé où pendant que Papa Kouadu est là, pendant que Maman est là, pendant que le corps pastoral est là, mais dans l'assemblée de Cana, il y a des Jida cachés. Amen. Qui mesure l'importance du ministère Canaan. Qui savent, bien-aimés, parce que ce qu'il y a ici, bien-aimés, ce n'est pas de n'importe quoi. Cette maison, je sens l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. De cette église sortiront des députés, des sénatrices, des grandes femmes d'affaires. Mes amis, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Dis-moi un amen bien, s'il te plaît. Ce n'est pas tout qu'on enseigne aux gens. D'ailleurs, même je vais te surprendre, à la limite te choquer un peu, les gens qu'on enseigne trop finissent par ne même plus rien comprendre. Amen. Qui avait dit à Jida ce jour qu'il faut changer de dimension? Qui a dit à Jida? Moïse ne savait même pas. Mais Jida a activé une alliance avec Dieu. Il a activé ça. Il dit, c'est mon tour maintenant. Je dois montrer que dans ces foules, qui est en train de marcher de plus de 2 millions de personnes, il y a un individu dedans qui a une alliance sacrée avec Dieu. Ne soyez pas les chrétiens de la foule, ça ne sauve pas. Amen. Soyez les gens qui se distinguent. Amen. Parce que dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, ensuite il y a les esprits célestes. Ne sois pas dans les célestes. Soit tu es dans les uns, soit tu es dans les autres. Ouais. Je t'interdis l'anonymat à partir de ce matin. Je t'interdis ça. Je proclame ce matin l'esprit de distinction est sur toi. L'esprit de chef. L'esprit de grandeur. L'esprit de gloire. L'esprit de puissance. Tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin que dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est grâce à toi que les gens vont aller en mariage. Amen. C'est grâce à toi que les situations vont être débloquées. Amen. C'est grâce à ton onction. Fais cette alliance de sanctuaire avec aujourd'hui en prenant sincèrement l'engagement de changer de compréhension, de changer la manière de voir Dieu, de changer la manière de marcher avec Dieu. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Dis-moi ce matin, Dieu n'a fait qu'agréer la disposition d'esprit de Jida. Dieu n'a fait qu'accepter. C'est comme si depuis l'Égypte, pendant que Moïse était dans les histoires des plaies, Dieu lui attendait quelque chose. Qui va devenir mon sanctuaire? Écoutez, il y a des miracles, il y a une certaine catégorie de miracles qui appartiennent à tout le monde. Mais d'autres, ça dépend maintenant de ce que tu es devenu en Dieu. Alléluia. Ça dépend du contenu de ton alliance avec Dieu. Je suis venu te dire ce matin que le christianisme en 2024, en ce qui concerne Cana, ton nom va sortir. Ton nom va sortir. Ton nom va sortir. Amen. 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 Ton nom va sortir. Ton nom va sortir. Ton nom va sortir. Amen. Jida devait son sanctuaire et qui nous écrit le merveilleux psaume
un fils de Jida, David. Jida devint son sanctuaire. Écoutez-moi ce matin. Il est temps que tu deviennes ce que les gens n'imaginaient pas. Alléluia. 2024, c'est l'année du devenir. Bishop, regarde ta fille. Elle savait qu'elle allait avoir des sérieux problèmes avec moi. Si elle ne venait pas, tu as fait comment pour te retrouver? Je suis là depuis. Vous allez arriver. Ça, c'est la prophétesse Eliane. Ma fille, une grande servante de Dieu. J'ai parlé à votre père. J'étais un peu confus ce matin. Parce qu'en voyant la distance, je me suis dit certainement elle s'est perdue. Quelle grande femme de Dieu. Au nom de Jésus, sois bénie, maman. Sois bénie, maman. Sois bénie. Je suis une grande servante de Dieu. En fait, le sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu réside. C'est l'endroit où Dieu demeure. 2024 devient le sanctuaire. C'est terminé avec cette histoire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. On est le temple du Saint-Esprit. Mais nous devons monter un peu plus haut. Amen. Monter un peu plus haut. Amen. Nous allons quitter la dimension du temple pour entrer dans la dimension du sanctuaire. Alléluia. Je vais t'appeler ce matin. Amen. Et c'est dans le temple de Caïphe. Amen. C'est dans le temple de Caïphe, pendant que Caïphe faisait culte en bas, que Satan lui se promenait sous le toit avec Jésus. Merci beaucoup, papa. Pendant que M. Caïphe, rappelez, la Bible dit que puis il le conduisit sur le toit du temple. Mais vous pensez que c'est quel temple? C'est le grand temple de Jérusalem. Pendant que M. Caïphe administrait la Sainte Cène aux brebis, Satan lui se promène sur le toit de son église. Amen. Donc pour dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tant le temple qui effraie Dieu. Alléluia. C'est le sanctuaire. Tu es le sanctuaire de Dieu. 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 Je vais t'annoncer ce matin, bien-aimé. Je t'annonce ce matin que dès que Dieu a tué la bête et que le sang a coulé, les arbres ont vomi Adam et Ève. Amen. La forêt avait caché Adam au point que Dieu vient dire, Adam, où es-tu? Je vais te dire ce matin, si même Dieu lui-même qui t'a créé n'arrive plus à te voir à cause d'une certaine situation, ça veut dire que tu peux même servir ton mari 10 fois en mourant dans le célibat sans savoir que c'est lui. On peut mettre des annotations dessus comme quoi promotion. Mais quand ton étoile est cachée par des esprits de forêt, vous blaguez avec ça que Dieu vient dire à Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit quoi? J'ai mangé de l'arbre que tu m'as défendu et je me suis caché. Alors que la Bible dit que tout est à l'œil nu devant l'Éternel. Tout est à l'œil nu devant l'Éternel. Comment la forêt a-t-elle bien pu cacher Adam et Ève? Attention. Tu sors des esprits de forêt ce matin. J'entends la voix du Saint-Esprit, j'entends une voix, j'entends quelque chose. Il y a trop des hommes et des femmes de destinée ce matin dans cette salle. Il y a des gens qu'on ne reconnaîtra pas ici, 2024. Je
te l'annonce. Quand au sortir de ce culte, dis à un frère que frère, prends bien la photo avec moi. Parce que 2024, tu risques de souffrir à l'audience, à la salle d'attente pour nous voir. J'étais allé voir un frère à la présidence avec une vieille photo de Bethel. Quand je regarde le corps, on voulait me compliquer. J'ai dit, regarde, s'il te plaît, regarde cette photo. Va seulement dire à ton cher le ministre, c'est Kouagé qui est là-bas. Quand le ministre a fait la photo, il dit, Kouagé, mon frère. J'ai dit, mon frère, c'est pas pour te choquer. Faut te rappeler de là où on sort. Tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Oh mon fils, tu es béni. Tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu sur toi. Amen. Pour la gloire de Dieu sur toi. Ce monsieur, amenez-moi un peu vite. Je vais exercer. Je suis en train de terminer. Je vais prier pour ce monsieur. Tu en as un puissant témoignage. Amen. D'ici le 15 janvier, yes. Je dis bien, je mets une date. Yes. D'ici le 15 janvier, tu vas témoigner de l'amour dans ta famille, yes. Dans ton lieu de travail, Amen. Et dans ta maison, Amen. La cité de Cana. Yes. Ton témoignage sera un puissant. Devant son sanctuaire, la mère le vit et s'enfuit. Tout doit commencer par fuir à partir Amen. De mon cœur. C'est fini cette onction là où tu étais là tout le temps, comme si c'est toi qui fuis les gens. Tu as tué qui? Ce sont deux qui vont te fuir. Amen. Si vous voulez savoir, si vous voulez que j'atterrisse maintenant, quand vous entendez que Jésus a marché sur l'eau, c'est cette onction de sanctuaire qui flottait sur les eaux. Le sanctuaire en personne, ça brise les lois de la nature. Ça détruit le protocole. Ça bouleverse les systèmes. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Le fils de Roméo Guadio ne peut qu'être un puissant sanctuaire de Dieu.